Hello les amis! Alors tout d'abord, j'espère que la vidéo sur le film de Troie vous a plu. Si vous ne l'avez pas encore admiré, cliquez sur l'image lien sur votre écran ou sinon dans le lien en commentaire. Merci aux nouveaux abonnés de me suivre dans cette belle aventure. Maintenant, trêve de blabla et passons sur le sujet du jour qui est comment Netflix, avec l'aide du bon Shakespeare, se moque de l'histoire de France. En effet, j'ai décidé de réaliser une vidéo sur le film Le Roi de Netflix pour restaurer l'image de notre histoire. Ce film prend son inspiration sur la pièce de théâtre de Shakespeare, nommée tout simplement Henri V, écrit en 1599, un texte historique racontant l'histoire du roi d'Angleterre et de sa victoire à la célèbre bataille médiévale d'Azincourt. Le film a été réalisé par l'Australien David Michaud. Il est diffusé uniquement sur la plateforme Netflix dans les sous-genres films inspirés de faits historiques. Bon, là c'est très très inspiré alors. Dans le rôle du roi Henri V, le jeune et faible Timothée Chalamet. Et dans le rôle du dauphin de France Louis de Guyenne, fils de Charles VI, le nouveau Batman Robert Pattinson, avec son super accent français que vous allez pouvoir déguster plus tard. Bref, démarrons tout de suite et réécrivons l'histoire du film avec la réalité historique. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire ou le film, je vous explique un peu le synopsis. Hal est un jeune prince rebelle qui décide de quitter le royaume afin de vivre auprès du peuple. Cependant, le jeune prince ne peut plus échapper au destin qu'il tentait de fuir suite à la mort de son père, le tyrannique Henri IV d'Angleterre. Il est couronné roi à son tour et le jeune Henri V doit désormais affronter le chaos laissé par son père derrière lui. Le passé ressurgit, et notamment sa relation avec son ami et mentor, John Falstaff, un chevalier alcoolique. You wonder why I have come? Do you wonder this? I have not come to offer you surrender, if that is what you're hoping. Des personnages principaux du film est l'ennemi juré du roi Henri V et le dauphin Louis de Guillet. Dans cette œuvre, seulement le nom et son statut de prince est en accord avec la réalité. A noter, le dauphin ne signifie pas du tout l'animal, mais bien un héritier présomptif de la couronne de France. Bon, ici j'ai déjà un gros problème avec l'accent français très caricatural de l'acteur. Il force un peu trop à mon goût, et fait perdre à mon sens la gravité des scènes quand il ouvre la bouche. Son personnage est vulgaire, arrogant, provoquant, le stéréotype du parfait français en fait, qui va venir provoquer le pauvre Henri V à Harfleur et après à Azincourt. Dans le film, Louis meurt dans une scène totalement ridicule durant la bataille d'Azincourt. Mais son personnage dans le film est tout de même plus intéressant que dans la réalité. En effet, à l'époque de la bataille d'Azincourt, le véritable dauphin Louis de Guyenne était un prince français de 18 ans, avec pas mal de problèmes de santé. Il était très instruit, pieux et assez timide. Il n'a d'ailleurs jamais été sur le sol anglais, puis il est mort 2 mois après la bataille d'Azincourt, en décembre 1415. Alors, pourquoi cette transformation historique? La réponse est simple. Le film, je le rappelle, est tiré d'une pièce de théâtre de William Shakespeare qui dans ses écrits voulait un protagoniste de taille face au roi Henri V. Il voulait un personnage représentant toutes les caractéristiques françaises négatives pour incarner le méchant de l'histoire. Bro!
bataille d'Azincourt. C'est la plus grande défaite française de la fin du Moyen-Âge. Oui, je spoil dès la première phrase, mais effectivement, la conclusion de cette bataille est malheureusement une des plus connues de France. Il s'agit ici de l'épopée finale de Son Altesse Henri V dans le film de Netflix Le Roi. Alors, comme dans le reste du film, cette bataille contient beaucoup, beaucoup d'erreurs, que ce soit géographique, topographique, tactique et même humaine. Dans un premier temps, nous allons voir la géographie, car dans le film, la bataille se déroule dans une région montagneuse avec beaucoup d'espace. Dans la réalité, celle-ci a lieu dans une clairière avec très peu de visibilité, entourée de plusieurs bois prenant la forme d'un espèce d'entonnoir. Dans le film, ce sont les Français qui surplombent le champ de bataille et les archers anglais qui se trouvent en contrebas, et surtout à découvert avec très peu de défense. Il n'y a aucune logique stratégique dans le film. Dans la réalité, les Anglais étaient positionnés dans l'actuel village de Maisoncelles, étant sur une légère colline. Cette réalité du terrain est très importante. Savoir occuper et jouer avec son environnement dans une bataille est primordial. En effet, Henri V d'Angleterre a utilisé le terrain en sa faveur. Au début du combat, il a fait avancer ses hommes de 600 mètres vers les lignes françaises. L'objectif de cette manœuvre tactique, c'est de provoquer et de pousser la cavalerie française à attaquer. Le second objectif est bien sûr d'occuper la partie la plus étroite de la plaine, tout juste entre les deux bois. Enfin, en se plaçant aussi près, il met les Français à porter des flèches, des arcs anglais. Dans la réalité comme dans le film, les Anglais envoient une première volée de flèches qui touche le centre de l'armée française. Puis, ils restent en position défensive. Les similarités s'arrêtent ici. Ensuite, comme l'avait prédit Henri V et ses commandants, les chevaliers français, 1200 hommes de cavalerie lourde sur chaque aile, chargent les rangs anglais. Le premier obstacle est le terrain, détrempé par la pluie qui s'est abattue toute la nuit et fraîchement labouré. Le second obstacle se trouve dans les archers anglais et leur redoutable capacité. Criblés de flèches, cavaliers et montures n'atteignent pas les rangs ennemis. Ceux qui ont réussi sont empalés sur les pieux des archers ou capturés, voire même tués. C'est un massacre pour la cavalerie française. Acculée, l'avant-garde française à pied décide de charger. A noter que les armures de l'époque étaient très lourdes, jusqu'à 18 kg. Donc ces troupes à pied, certes très bien équipées, s'enfoncent profondément dans la boue et peuvent à peine bouger. Mais les Français avancent malgré tout et le combat fait rage. L'armée anglaise commence même à reculer. Miracle ! Henri V est presque mis à terre. Sa couronne est même touchée selon la légende. Et sans l'intervention des soldats du flanc droit menés par le duc d'York, le roi anglais serait mort. Malheureusement, c'est le duc qui périt en voulant sauver son roi. Mais, acculé par les archers anglais yeomen dans les bois de Tramecourt, perpétuellement en train d'envoyer des salves de flèches, piégé dans le fameux entonnoir naturel et embourbé dans la boue à cause de leur armure, les Français commencent à percevoir un léger goût de défaite. Les fameux archers délaissent leurs arcs et entrent dans la mêlée. L'avant-garde française est taillée en pièces en une demi-heure. Puis la retraite est sonnée pour la première ligne, mais au moment de s'enfuir, la deuxième ligne, menée par le duc d'Alençon, arrive dans la bataille. Et là, c'est clairement un immense bordel du côté français, qui maintenant ont vraiment conscience de la défaite et s'enfuient. C'est la débâcle. La bataille est presque gagnée pour les Anglais. Les Français, d'abord prisonniers par les soldats anglais, pour bénéficier de rançons. Pour rappel, beaucoup de nobles et de connétables ont participé à cette bataille côté français, mais par la suite massacrés par l'ordre d'Henri V, ayant peur d'une révolte des prisonniers, suite au ralliement des paysans et seigneurs locaux, notamment le duc d'Azincourt, le fameux Isambard, qui a attaqué pendant la bataille les bagages royaux. Alors, pourquoi les Français en supériorité numérique et mieux armés ont perdu ? Voici une petite liste exhaustive des différentes raisons. Tout d'abord, les conditions météorologiques, qui étaient non favorables à l'équipement et aux unités françaises. Ensuite, les arbalètes françaises, dont les cordes étaient humides et rendaient l'arbalète hors d'usage. Il y a aussi le placement des Anglais, qui étaient en hauteur, et leur meilleure répartition sur le terrain. Et enfin, la stratégie globale française qui était catastrophique. Donc, en conclusion, l'erreur française, c'est d'utiliser des méthodes tactiques chevaleresques et non modernes pour l'époque. La guerre à distance est en plein essor, et les Anglais étaient parfaitement équipés pour cela, notamment en prenant en considération la météo du jour de la bataille. D'un côté, des archers anglais très mobiles et pouvant atteindre des cibles lointaines,
de l'autre côté des chevaliers français avec 18 kilos d'armure dans un terrain boueux. Why did you bring war to France? Your father came on spoiling. Oh so, how was he spoiling? He sent an assassin. There was no assassin. There was no plot to kill you. How might you know? Because I was with my father when he received word of your charge. I know him well enough to know his reaction to be genuine. Henri V, le roi pacifiste et humaniste, vraiment? Le film Le Roi nous présente un Henri V beau, jeune, humaniste, rayonnant de justice et de paix, qui par la force des choses, et surtout à cause des mauvais agissements du méchant dauphin français Louis de Guyenne, est obligé d'aller envahir la France pour protéger son peuple. Un passage intéressant du film apparaît lorsque l'archevêque de Canterbury lui expose les droits de la couronne anglaise sur le trône de France. Suite à son allocution, le bon roi Henri V répond « Mais pourquoi me parle-t-il de guerre contre la France ?» Cette question est complètement absurde, car si nous reprenons notre petit manuel d'histoire, le roi sait pertinemment pourquoi l'homme d'église s'exprime sur le droit au trône de France. En effet, nous sommes en pleine guerre de 100 ans, déclenchée en 1337 par Édouard III, l'arrière-grand-père d'Henri V. Ce dernier estimait qu'il aurait dû hériter du trône de France, car il était le petit-fils par sa mère du roi Philippe le Bel. Une revendication reprise ensuite par ses successeurs, qui arboraient comme lui, sur leur blason, les fleurs de lys sur fond azur, symbole de la monarchie française, à côté des trois léopards d'or sur fond rouge, symbole de la monarchie anglaise. L'historien britannique Richard Vaughan décrit plutôt le véritable Henri V comme l'un des produits les plus agressifs et les plus sournois d'une époque de violence et de duplicité. Même Shakespeare le présente comme le belliqueux Henri, en introduction de sa pièce de théâtre. En dehors de son royaume, le véritable Henri V s'est davantage comporté en criminel de guerre qu'en homme de paix bienveillant, notamment à Azincourt, où il ordonna l'exécution de nombreux prisonniers, violant ainsi les codes de la chevalerie. Le film l'évoque rapidement sans toutefois s'y attarder. Dans le film également, il est joué par le beau Timothée Chalamet. Dans la réalité, il avait reçu une flèche dans la joue droite lors d'une bataille, Shrewsbury, en 1403. La flèche était tellement enfoncée qu'on avait dû inventer un outil spécifique pour lui extraire et ça lui avait laissé une atroce cicatrice sur la joue. C'est la raison pour laquelle il est représenté du profil du côté gauche. C'est le seul portrait qu'on connaît de lui. Et voilà les amis, c'est la fin. Voici certaines des erreurs principales que j'ai réussi à dénicher pour vous. Bien évidemment, il y en a d'autres. À vous de jouer dans l'espace commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout cette nouvelle vidéo. Alors, mon avis sur ce film, intéressant. Seulement si l'histoire était fictive. Mais là, l'histoire est très loin de la réalité, malheureusement. D'ailleurs, l'excellent directeur du Centre Azincourt 1415 a exprimé son mécontentement en voyant le film, tout en s'exclamant d'une phrase mémorable « Je suis outré ». De plus, il ajoute une phrase qui est ce pourquoi j'ai créé la chaîne YouTube « Film versus réalité ». Le grand public préférera toujours un film à un bouquin d'histoire. Là, il y a des gens sous terre, des gens qui sont vraiment morts lors de cette bataille, c'est ça qui me dérange le plus. L'objectif des vidéos de la chaîne est de rectifier les erreurs historiques à travers un cadre plus simple et abordable qu'à la bibliothèque. J'espère que la vidéo était à votre goût, c'est maintenant la fin. À très vite pour une nouvelle vidéo. Merci !